Savoir lâcher prise. Chaque jour, être soi-même, libre et heureux. 5 juin, combattre la honte. La honte peut nous freiner, nous immobiliser et nous faire baisser les yeux. Au-delà de la codépendance, méfiez-vous de la honte. Bien des systèmes et bien des gens empestent la honte. Ils sont dominés par la honte et peuvent chercher à nous faire rentrer dans leur jeu. Ils espèrent nous tenir et nous soumettre de cette façon. Nous n'avons pas à sombrer avec eux dans la honte. En revanche, nous accepterons les sentiments positifs que sont l'acceptation de soi, l'amour et la nourriture spirituelle. Les comportements compulsifs, les comportements liés à la dépendance sexuelle, la suralimentation, l'abus de substances chimiques et la passion du jeu reposent sur la honte. Si nous adoptons de tels comportements, nous en aurons honte. C'est inévitable. Il faut nous méfier des comportements liés à la dépendance, comme de ceux qui sont de nature compulsive, car ils nous plongent dans la honte. Notre passé est le conditionnement que nous avons pu recevoir, lequel nous a infligé la honte originelle, peuvent nous faire honte. Cela peut se produire quand nous sommes seuls, quand nous passons au supermarché ou simplement quand nous vaquons tranquillement à nos activités. Ne pas penser, ne pas sentir, ne pas évoluer, ni changer, ne pas vivre sa vie, avoir honte. Finissons avec la honte. Attaquons-la. Faisons-lui la guerre. Apprenons à la reconnaître et à nous en méfier comme de la peste. Aujourd'hui, je refuserai délibérément de me laisser prendre au piège de la honte dans laquelle le monde est plongé. Si je ne peux pas y résister, je vais la ressentir, l'accepter, puis m'en faire défaire aussi vite que possible. Mon Dieu, donne-moi l'assurance qu'il est bien de m'aimer et aide-moi à refuser de me soumettre à la honte. Si je m'égare, apprends-moi à transformer la honte en culpabilité, à corriger mon comportement et à poursuivre ma vie dans l'amour immédiat de moi-même.